Départ et séjour au village. Le lendemain, Kani et son frère Birama prennent le train pour aller au village de leur oncle Jiggy. À leur arrivée au village situé au bord de la rivière, ils sont reçus par leur grand-mère et une foule de femmes et d'enfants. Présenté au père Jiggy, celui-ci fait un accueil respectueux aux enfants de son frère et passe de case en case pour les présenter à tous les membres de la famille ainsi qu'aux voisins. Après les salutations, le père Jiggy demande à Birama de rester du côté des hommes et Kani de rester au milieu de ses tantes et cousines. La première nuit de Kani est une mauvaise expérience, surtout lorsqu'elle aperçoit un lézard qui l'affraie et que son frère Birama a voulu tuer avec une hache, ignorant que cet animal fait partie des totems du village. Par la suite, le père Jiggy se met à éduquer son neveu sur les principes de la vie traditionnelle, sa vision du monde et la morale humaine, comme par exemple la nourriture qui doit être partagée aussi. Il lui présente son ami Tchéman, le soigneur, un homme gentil qui donne des conseils, qui a combattu durant la Seconde Guerre mondiale et qui a visité de nombreux pays avant de retourner dans son village pour travailler comme infirmier. Et Kani découvre chez Tchéman un homme sage qui est prêt à l'aider. C'est ce qui va d'ailleurs l'encourager à lui révéler son mariage avec Famanga, décidé par son père, son désir de poursuivre ses études, ainsi que sa détermination à épouser Samu Tchéman, sensible à la situation de Kani, décide de l'aider en écrivant une lettre à Samu, évidemment au nom de Kani, pour le rassurer en lui disant qu'il a intervenu auprès de son ami Jiggy pour qu'il aille convaincre son frère Benfa de laisser sa fille poursuivre ses études. Pendant leur séjour au village, la ville est secouée par deux grands événements. Le premier est une épidémie de méningite, cérébro-spinale, qui a emporté beaucoup de vies. Le second événement a trait à la citoyenneté pour tous. Désormais, il n'y aura plus de travail forcé, il y aura la même justice et il y aura les mêmes écoles pour les enfants blancs comme noirs. À la veille de leur retour en ville, les tam-tams avaient résonné en l'honneur de Birama et de Kani, qui ont par ailleurs reçu de nombreux cadeaux.
Au jour de leur départ, Tani et Biram se dirigent au bord du fleuve en compagnie d'un groupe de villageois. Avant de prendre place dans le chaland qui doit les ramener en ville, les deux citadins attendaient Tiaman qui, après 5 minutes d'attente, remet une lettre à peine écrite par Samu. Celui-ci l'informe que Jig a écrit à son frère en lui disant qu'il souhaite que sa nièce termine ses études et devienne ce qu'elle veut être. Le père Benfa a transmis le message à Famanga, qui n'est apparemment pas prêt à attendre aussi longtemps une fille alors qu'il y en a par milliers dans la ville. Kani, contente, se jette au cou de Tiaman et reste rêveuse tout au long du voyage. Sitôt arrivé, Kani pose ses bagages et se rend chez Samu, et tout semble désormais bien aller pour le jeune couple. Mais un soir, rentrant d'une promenade, Kani voit son père, son frère Sibiri, Famanga et plusieurs autres hommes plus âgés qui parlent et rient aux éclats. Au vu de cette scène, Kani devient inquiète car pour elle le combat n'est pas terminé. Il est loin d'être terminé car en recevant la lettre de son frère Benfa, prie Famanga de ne pas s'inquiéter puisqu'il lui a donné son mot sur lequel il ne va pas revenir. Cependant, ne pouvant pas désobéir au père Jigi qui était son aîné, le père Benfa avait élaboré un plan consistant à accepter Samu chez lui afin de pouvoir engager sous main les démarches nécessaires pour obtenir l'accord de son aîné. Quelques jours plus tard, sentant que le père Benfa n'avait pas renoncé à sa décision, les jeunes se rencontrent chez Samu pour parler de leur relation avec les vieux. Kerfa le fou est ami de Samu, les rejoint et leur transmet les démarches qu'il a entreprises auprès des vieux et en compagnie de Maman Kumba pour arranger le mariage de Samu avec Kani. Après des nuits de démarches, ils sont parvenus à gagner quelques vieux notables dont le père Aladji et Mamari le troubadour. Samu et ses camarades se voient humiliés par Kerfa, qui disent-ils les a mis à genoux devant les vieux qu'ils considèrent comme ayant vécu dans un système passé et révolu. Peu de temps après, une délégation menée par Mamari, Aladji, Kouniba Issere visite Benfa. Il incite à ne plus voir les jeunes comme étant des ennemis et à leur tendre les mains. Ils lui disent aussi que ces jeunes représentent la continuité de leur culture. Après une mûre réflexion, Benfa qui est informé que Famanga est prêt à laisser tomber son mariage avec Kani, n'a donc rien à se reprocher et accepte de donner la main de sa fille à celui pour qui son cœur bat. Pour lui, ces jeunes qui croient en savoir plus long que les vieux découvriront un jour leurs erreurs et reviendront alors dans leur monde prêts à tout lui donner.